Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans cet épisode 10 de Au coin du Blu-ray, toujours consacré à la lettre D. Et comme je l'évoquais la dernière fois, j'ai quelques petits trucs assez savoureux dans la lettre D, notamment, par exemple, la saga Destination Finale, qui est une de mes grosses sagas péchés mignons, que personnellement j'estime énormément. Je pense que c'est une saga qui a réussi à comprendre ce potentiel complètement fun et délirant, et qui a su aller jusqu'au bout. Et personnellement, même encore aujourd'hui, j'attends beaucoup un comeback de cette saga. Mais du coup, j'ai choisi une autre saga, une trilogie, dont j'ai surtout voulu évoquer le premier épisode, parce que le deuxième, j'en ai déjà beaucoup trop parlé, et le troisième, on a déjà eu l'occasion de l'évoquer sur la chaîne dans une chronique. Parce que Tsui-Hark est un génie de la mise en scène, parce que Double Team est un nanar beaucoup trop sous-estimé, et parce que surtout, Détective D est un de ses meilleurs films. Personnellement, j'adore le premier. Enfin, le mystère de la flamme fantôme est le premier, mais techniquement, dans l'ordre de la trilogie, c'est le dernier. Donc, c'est le denier. Je ne sais pas. Bref, l'histoire, elle est très simple. En l'an 690, alors que Détective D est en train de croupir en prison, la première impératrice s'apprête à être couronnée, mais de mystérieuses disparitions vont faire qu'on va sortir Détective D de prison pour aller élucider tout ce qui se passe. Il y aurait tellement de choses à dire. Je pourrais y passer des heures et des heures à vous parler de Détective D. Honnêtement, c'est un film qui est déjà brillant en termes de mise en scène. Au-delà de ça, c'est un film qui est génial à regarder parce que c'est une histoire très prenante, portée par des acteurs extrêmement charismatiques et surtout par une ambiance qui prend totalement le pas sur tout ce qu'il y a à l'écran. Et ce que je trouve génial, c'est que bien au-delà de ça, à l'époque, Tsui-Hark, il revenait quand même de sa période un peu foireuse aux États-Unis, dont le dernier long métrage en date était Knock Off. Depuis, il avait fait Time and Tide aussi, mais il n'avait pas réussi réellement à renouer avec un vrai succès populaire. Il avait fait des films qui lui tenaient à cœur, il avait fait des œuvres populaires et divertissantes sur le territoire américain avec JCVD, mais au-delà de ça, il manquait quelque chose. On sentait qu'il avait envie d'apposer une nouvelle saga ou de créer quelque chose qui soit tout aussi impressionnant, mais il n'arrivait pas à trouver les bons outils. Et lorsqu'est tombé sous le coude du cinéaste hongkongais l'histoire de Détective D, qui serait à la fois un personnage historique et en même temps un personnage un peu fantasmé par la littérature chinoise, c'est assez vague finalement, mais en tout cas lorsqu'il est tombé sur ce personnage, il s'est dit que c'était le meilleur moment pour lui donner vie à l'écran. Et bon Dieu qu'il a eu raison. Détective D est un immense long métrage, une œuvre de cinéma que je trouve démentielle à regarder. Et bien au-delà d'être démentielle à regarder, c'est une œuvre qui est juste jouissive. C'est le genre de cinéma devant lequel on est fasciné de bout en bout. Et au-delà de ça, c'est un film qui arrive très très bien à se servir de son côté super production. C'est vraiment une super production, hein. C'est un film qui a coûté énormément d'argent, mais qui au-delà de ça, cherche vraiment à rentabiliser cet argent à chaque seconde. Pour moi, je considère que Tsui-Hark arrivera à perfectionner totalement ça en l'emmenant dans un retranchement assez jubilatoire au sein du deuxième film, qui pour moi est le meilleur. Vraiment, parmi les trois, c'est le plus fun à regarder. Et au-delà de ça, c'est le plus beau. Il y a des séquences de baston où les personnages sautent de toit en toit sur des petites villas. Oh, cette séquence-là, moi, elle m'émerveille encore quand je la mate. Mais rien que dans le premier, il y a déjà toute cette ambition. Rien que dans le premier, il y a déjà toute cette envie de la part de Tsui-Hark de nous partager un divertissement qui sorte de l'ordinaire, qui arrive à aller dans des retranchements où on est fasciné par tout ce qui se passe à l'écran, où on se dit « Waouh, c'est ouf !» C'est si bien fait, c'est si entraînant, c'est si jouissif, c'est... C'est si magnifiquement poussé dans une direction où on se dit qu'à la fois l'image est criante de divertissement et en même temps, elle est juste poétique, belle, déchirante, elle émeut presque par instant. On a vraiment envie de se dire que c'est une œuvre qui nous touche, qui nous incite à vraiment nous immerger à fond dans l'image et se dire que celle-ci se suffit à elle-même. Que parfois les dialogues, on pourrait presque les retirer. Moi, c'est ce qui me fascine avec les films de Tsui-Hark. Bon, hormis les trucs genre Knock Off, Double Team ou les films comme ça, où clairement, là, les dialogues sont nécessaires parce que sinon, il y a tellement rien à raconter qu'on s'emmerde un peu. Mais devant les Détectives D, vous pouvez retirer les dialogues. Tout est clair, tout est limpide, tout est juste, tout est beau. On est fasciné par tout ce qui se passe. On se dit à la fois que c'est d'une clairvoyance folle que Tsui-Hark a été capable de comprendre son sujet à un tel point qu'il en capte la racine et qu'il arrive à
faire germer une fleur en une fraction de seconde. Enfin, moi, Détective Nee me fascine, vraiment. Et moi, je me rappelle de l'époque où il est sorti, tout le monde était dingue. Vraiment, la presse française était complètement en train de jubiler. C'était le retour de Tsouyark. Et la plupart des journalistes de l'époque, pour eux, c'était un rêve de gosse. Parce que dans leur tête, ils gardaient des films genre « Il était une fois en Chine » ou « Histoire d'un fantôme chinois ». Ils gardaient ces films de cap et d'épée, ces Wu Xiaopian d'une certaine époque qui n'avaient jamais réussi à revenir sur le devant de la scène en France. Et là, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? On a Tsouyark qui revient, il pose une bombe et tout le monde se l'arrache. Les festivals demandent à voir le film, les distributeurs vont aller jusqu'à tous se faire la guerre pour choper les droits. C'est finalement White Bunch qui va l'avoir et Dieu sait que c'est merveilleux parce qu'ils lui ont donné vraiment tout ce qu'il fallait pour réussir à cartonner. Le film n'a pas eu un succès populaire en France, mais a suffi à marquer les esprits pour qu'encore aujourd'hui, lorsqu'on évoque le nom de Détective Dee, les gens se souviennent de ce que c'est et s'en rappellent. Et c'est ça en fait qui m'impressionne, c'est que Tsouyark, il a beau prendre de l'âge, il est un peu comme Steven Spielberg dans un autre genre. Il est capable de se réinventer et de montrer que c'est pas parce qu'il prend de l'âge que son cinéma va devenir plan-plan ou que son cinéma va devenir un peu trop simple ou un peu trop classique. Au contraire, Tsouyark, son dernier film, il était en 4DX. Je vois pas quoi vous dire de plus, honnêtement. Au-delà de ça, en termes de bonus, ce Blu-ray est superbe. Il est parfaitement garni. Il y a des trucs autour du personnage, autour de son histoire, autour du tournage, autour de l'ambition surdimensionnée de Tsouyark, des trucs sur le making-of autour de comment ils ont créé certaines scènes d'action complètement déjantées. Enfin, le Blu-ray est vraiment garni. Si vous avez l'occasion de vous le procurer, ce Blu-ray de la part de Wildside est extraordinaire et il est génial à regarder. Et vraiment, c'est un plaisir. Enfin, ça me fait plusieurs galettes que je vous vends où dessus, il n'y a quasiment rien à mater. Là, pour le coup, sur celui-là, il y en a. Il y a du bout de gras. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Mais ceux qui n'ont jamais vu les Détectives Dee, foncez. Je ne vois pas grand-chose de plus à vous dire. Foncez les regarder. Procurez-vous les Blu-ray. Tous les Blu-ray de la saga sont extraordinaires, bourrés de bonus et parfaitement bien compilés. C'est des super galettes qui valent vraiment le coup d'œil et la qualité dessus en plus, elle est géniale. Et au-delà de ça, si jamais vous avez jamais vu les Détectives Dee, regardez-les. Et surtout, le premier, le mystère de la flamme fantôme de Tsouyark, qui est juste extraordinaire à mater. Ainsi s'achève cet épisode 10 de Au coin du Blu-ray. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la saga Détective Dee, ou si vous ne les avez jamais vus, allez les voir et revenez ici, vous ne le regretterez pas. Et d'ici là, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission, et là c'est justifié, il y a bien plus de secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray. Dieu sait qu'il y en a beaucoup là-dedans.